الحمد لله رب العالمين. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب الطحاوية شرح الطحاوية الصحيفة 35 أوني دون العقيدة الطحاوية على باج 35 ذكرنا أن ابن حزم كذب على الإمام الأشعري وقال إنه يرى أن النبوة عرضا والأعراض لا تبقى زمانين وأن النبي إذا مات زالت نبوته وانقطعت دعوته كذب وافتراء مبين. ألا اوني دون لو ليفر العقيده الطحوية على باج 35 ابن حزم الظاهري هو ليس من المجسمه وليس من الروافد ولكنه uh, ضعيف في العقيده سي كيل كان كيو تريفابل العقيده وجريء في الطعن على العلماء ايلوز كريتيكي لي سافون الى الى اوزي دير الامام الاشعري رضي الله عنه ايلديك لا Elle ne reste pas de temps. C'est comme il dit, elle disparaît, elle revient, disparaît, elle revient. Mais ça, c'est pas juste. L'imam al-Ash'ari ne dit pas ça. Et il a dit que si le prophète mort, il n'est plus prophète. Encore, l'imam al-Ash'ari n'a pas dit ça. Il est prophète avant la mort et après la mort, il est prophète. Et ce n'est pas une caractéristique, c'est hukmullah. Hukmullah, le fait que qu'Allah a donné à telle personne qu'il est un prophète, qu'il est un messager. Et ce jugement reste. Et ce jugement reste, il n'est jamais. وذكر ابن حزم أن ابن فورك قُتِل على هذه المقالة وأن أبا الوليد الباجي أخبره بذلك. ابن فورك. dit encore mensongèrement que un grand savant Qui s'appelait Ibn Fourak, c'est l'élève de l'élève de l'Ashari. L'Ashari, son élève, c'est Al-Bahili. Al-Bahili, c'est le cheikh de Ibn Fourak. Ibn Fourak, c'est un grand imam. Il a dit Ibn Fourak a été tué à cause de cette question de la prophétie et que c'est Abu Walid Al-Baji qui lui a dit Alors, pour dire, il a dit, le euh, sadaoui Ja'far Al-Labli, il a dit, c'est une mensonge froide, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas du tout juste. Euh, il a dit le fait de, de citer une telle question attribuée à Ibn et Al-Ashari, ça donne qu'il y a un problème dans la manière de raisonner. <coughs> On dit que le Baji n'a jamais dit cette, cette chose-là, mensongère. C'est lui, il ment encore sur le Baji. Ibn encore. « il est un grand imam, il ne dit pas une telle chose. Et il n'est pas mortuier. De là, vous comprenez que la question de Ibn Hazm, de haut en bas, ce n'est pas juste. Mais je Ibn Hazm, il dit dit ان قال الله قادر ان يتخذ ولد لاننا لو قلنا قادر لزم العجز اهل السنه لا يقولون هذه العباره لا يقولون قادر ان يتخذ ولد ولا يقولون عاجز عن اتخاذ الولد يقولون اتخاذ الولد مستحيل عقلا لكن لانه ضعيف في العقيده قولهم تعرف ما معنى معنى قوله قادر ان يتخذ ولد يعني ايش يعني هو جسم يتجزا هذا معناه والذي يقول بهذه المقاله كافر J'ai dit Ibn Hazm, il est tellement faible dans l'aqidah parce qu'il a dit, on dit Allah est le tout puissant pour avoir un fils. Parce que si on dit uh, il ne peut pas, ça implique l'impuissance. Mais qui a dit qu'on peut, qu peut dire Allah est impuissant On ne dit pas Allah est impuissant d'avoir un fils et on ne dit pas Allah le tout puissant pour avoir un fils. On dit avoir un fils c'est inconcevable selon la raison parce que Allah Ta'ala n'est pas encore, n'est pas une matière. Avoir un fils... division. وقد ذكر ابن عساكر عن الشيخ أبي الحسن عبد الغافر ابن إسماعيل أنه دعي إلى غزنة وجرت له بها مناظرات وكان شديد الرد على الحنابله. ولما عاد من غزنة سم في الطريق ودفن في الحيرة ثم <applause> نقل الى نيسابور ومشهده اليوم بها يزار وتستجاب الدعوه عند عن ابن فورك عم نحكي. (الوغ) أون ادي كو سي لي لادي إلي موغ سي با جوست، ابن عساكر ادي ان رابورتون لا دو شيخ ابو الحسن عبد الغافر فيس دو اسماعيل كون لا ابلي ا غزنا، غزنا ا ليبوك سي اون كروند كابيتال دولا لي كونكيت فير لاند. غزنا البلد العظيم انطلقت منه الفتوحات نحو الهند. Euh, ouais, et il a eu des grands débats avec le mujassima al hanabila parce que là-bas il y avait des mujassima qui s'attribue à l'imam Ahmad il a eu des grands débats avec ces gens et lorsqu'il est revenu puisqu'il est très fort le mujassima je شو بدنا parler عن mujassima al hanabila là on ne va pas ça n'a pas d'intérêt là on parle on lui a mis le poison sur le chemin ou le yamid du poison sur la route et il est mort par le poison لانه اليوم شوفوا لنا انتم التاريخ هدول المجسمه هذا من 250 سنه شو عملوا المجسمه؟ من 250 سنه يعني اتباع ابن عبد الوهاب شو عملوا؟ كيسك إيزون في؟ إيزون في دي جينوسيد دون لا فيل دو الطائف قتلوا الرجال و... و... والاطفال والشيوخ والراكعين والساجدين وقتلوا الحجاج. راحوا لما اجوا الحجاج على منى وما عرفانين كم الف حج 2000 3000 حج قتلوهم في منى لذلك بعز علي انه بعض المشايخ اليوم بيلبس لي عمامه الازهر مشايخ بيدافع عن الوهابيه بدافع عن الوهابية أو بيقول يعني هذا هذا عم عم يوصف آل غزة لو كان ابن عبد الوهاب بيقول رحمه الله لصفعه ولطمه ابن عبد الوهاب مجرم مجرم مثل الصهاينه ومثل دواعش مجرم سفاك دماء راحوا على الاردن قتلوا 2700 طيب ما يروحوا يساعدوا اهل فلسطين لا عندهم هذا ما يسمى واحد اسمه هشام عم يتمسخر على اهل فلسطين وبيقول يا ابو عبيده روح علم الناس التوحيد علمهم السنن علمهم السند علمهم هذه حنحكي فيها ان شاء الله بعد ما بس هالمجلس قال علمهم الكتاب والسنه بما على حسب ما فهم ما يفهم اهل السلف يعني علموا الكتاب والسنه بمنظور التجسيم والتشبيه الذي يدعيه هؤلاء الوهابيه يقولون هذا مفهوم السلف السلف ما كانوا مجسمه كانوا من اهل التنزيه على طريق سيدنا علي بن ابي طالب ما كانوا على التجسيم والتشبيه فعلى كل يعني مجسمه الحنابله وضعوا له السم ثم وهو في راجع دفن في الحيره Euh, il est enterré dans la ville qui s'appelait El-Hira, puis après on l'a ramené à Naïsabour et là-bas sa tombe est connue, on le visite euh, et l'invocation est exaucée à côté de sa tombe. Alors il a commencé maintenant le livre. Tout ce qu'on était en train de dire, c'est l'introduction. Et il commence à parler maintenant au niveau de l'Aprida l'imam tahawi Il a dit, nous parlons au sujet de Tawhid, au sujet de l'unicité de Dieu, avec la foi, en croyant, par la guidée de Dieu. Parce que si tu crois à la bonne croyance, c'est Allah qui t'a guidé à ça. C'est Allah qui a crié en toi. Cette croyance, tu crois, c'est grâce à Dieu. Tu pries, c'est grâce à Dieu. Tu jeûnes, c'est grâce à Dieu. Tu fais une adoration, c'est grâce à Dieu. Tu t'éloignes d'un péché, c'est grâce à Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, C'est-à-dire, si on parle de tawhid, si on a la croyance de al-Sunnah wal jamaa on a eu ça par la guidée de Dieu. c'est 'ala à خلق خلق الطاعه فيك هذا معناه التوفيق لو الله تعالى كري ان الايمان التوفيق يقابله الخذلان الخذلان أن الله فيك فعل المعصيه او الكفر الخذلان l'humiliation c'est le fait que الله, الله كري أن de la désobéissance ou la, la, la فاذا هو اذا يبدا بهذا ثم يقول ان الله واحد لا شريك له. سا، الله تعالى سي ان un نا با الشرح ابتدا بالتوحيد لانه اول خطاب يجب على المكلفين. الى كومونسي التوحيد لونيسيتي الله euh, تعالى اونيك باسكو سي أدمتك الله تعالى إتنيك أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستقاني والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر هكذا يقول صاحب الزبد ابن رسلان الشافعي لا بروميير اوبليغاسيون سور لتر سي لو فيت دو كونيتر الله سبحانه وتعالى avec certitude sans aucun doute et le fait de prononcer les deux témoignages pour celui qui embrasse l'islam est une condition Pour celui qui veut embrasser l'islam, il faut avoir la connaissance et la bonne, la bonne prononciation de Shahad. Tous les livres révélés, les livres de Moussa, les livres d'Ibrahim, euh, les livres d'Idris, tous, tous les livres révélés euh, euh, sur les prophètes, ils sont venus avec Tawhid. Il n'y a pas un prophète qui a appelé les gens à adorer une créature ou une montagne ou un arbre ou un être humain. Tous les livres sont venus avec Tawhid et tous les prophètes ont appelé à cette croyance. Adorer Allah Ta'ala sans rien lui associer. La meilleure parole que j'ai dit, moi, سيدنا محمد دي لا ميير بارول دي موا اي لي بروفيت افون لا اله الا الله الله واليه دعت الانبياء دعت الانبياء والرسل الذين قامت على ايديهم المعجزات الخارجه عن وسع الخلائق يعني الانبياء وعم بيقول ليش عم بيقول قامت على ايديهم المعجزات اي لان يستدل بالمعجزه على النبي يعني هو نبي كيف عرفنا بالمعجزه les prophètes qui ont appelé au tawhid Allah ta les a appuyés par des miracles parce que comment peut-on connaître un prophète comment peut-on connaître un messager on connaît un prophète et un messager par les miracles on connaît un, un prophète ou un messager par les miracles Mais tel comme, comme le, le fait que le feu est devenu froid et paix pour Ibrahim salam malgré qu'il était un feu très fort on a, on a lancé Ibrahim dans le feu par la catapulte parce qu'ils n'ont pas pu s'approcher. Ils brûlait à telle distance, une distance loin, Shaitan leur a donné l'idée de, de jeter par la catapulte. Et Allah Ta'ala l'a sauvé. Et Ibrahim, dans cet état, Jibril a dit, tu as besoin de quelque chose Il a dit, de toi, non. Allah Ta'ala, Allah a ordonné au feu qu'il soit Ordonné par sa volonté de que le feu soit froid et paix. Et il n'a pas brûlé. Après deux jours, Ibrahim est descendu sain et sauf. Les habits n'ont pas été brûlés. La corde avec laquelle on l'a attaché qui était brûlée. Euh, le, 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 le bâton de Moussa qui est devenu un grand serpent à plusieurs reprises, devant Pharaon, devant les sorciers, et il a annuler la sorcellerie qu'ils ont fait les sorciers. Euh, a mis, euh, pour Suleyman, à sa disposition le vent, les grands djinns, les grands diables et même les oiseaux à son ordre, à l'ordre de Suleyman a. Encore parlant de ces miracles, les montagnes louaient Dieu avec euh, Daoud a. Et encore la le fer qui est le fer qui est un métal très dur, dans les mains de, de Daoud, il devient comme les pattes. Et il faisait la, la, les, les cuirasses. Il faisait les cuirasses. C'est le premier qui a fait les cuirasses. Le, 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 la chamelle qui est sortie d'une roche qui était porteuse porteuse qui est sortie de la roche le, le fait de ressusciter les morts par la volonté de dieu ce n'est pas jésus qui a créé c'est Allah le créateur a appelé mais c'est Allah qui a créé مرة في مناظرة مع بعض الوهابيين بلبنان وواحد وهابي عنده لحته هيك كان يظن أن عيسى خلق الله تعالى أعطى عيسى الخلق هذا هو الشرك حتى تشوفوا الوهابية حمقى ومغفلين يقولون لمن يذهب إلى القبر أنت إيش تعبد القبر هذا كان يعتقد هذا الغبي كان يعتقد أن الله أعطى عيسى القدرة على الخلق يستحيل يستحيل أن يكون مخلوق له قدرة على الخلق يستحيل هذا مستحيل عقلي الألوهية هي الخالقية الألوهية هي الخالقية فعيسى ما خلق شيئا بمعنى أبرزنا عدم إلى الوجود وقوله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير تخلق بمعنى تصور تخلق من الطين من الطين تصور يعني ما قال تخلق الطين لا تخلق من الطين تصور Alors j'ai dit, Isa n'a pas créé quoi que ce soit. C'est Allah qui a créé la vie à celui qui est mort à plusieurs reprises comme miracle pour Isa. J'ai dit, dans un débat avec un Wahhabite, et il m'a posé la question est-ce que Allah Ta'ala donne l'attribut, le fait d'entendre toute chose à son créature J'ai dit, c'est impossible selon la raison. Les attributs de Dieu ne se déplacent pas et il n'y a pas une créature qui a un attribut comme les attributs de Dieu. Il m'a dit, si. Allah Ta'ala a donné à Jésus la création. J'ai dit, tu vois le shirk, c'est ça le shirk. Tu crois que Jésus avait l'attribut de la création, c'est du shirk. Après, un autre, son cheikh, là, il lui a corrigé tout ça. Mais c'est du shirk, il n'a pas témoigné. Il n'a pas C'est de la mécrance, le fait de dire ça. Parce que lorsque tu dis la divinité, ça veut dire la, la puissance de créer. Et Allah Ta'ala. هل كرياتور هل من خالق غير الله اسكيليان كرياتور ابا الله هل من خالق غير الله وانشقاق القمر يعني لو بروفيت افيسي فير محمد كي ا الله تعالى كي ا لو اقتربت الساعه وانشق القمر ونبع الماء من بين الاصابع لو اجايد دو عليه الصلاه والسلام Et il y avait 1500 personnes... Une fois ils étaient 300... Une fois ils étaient 70... Et l'eau a jailli de ses doigts... Ils ont bu... Ils ont rempli les récipients... Ils ont fait les, les ablutions... Et ils étaient comme je viens de dire... Une fois ils étaient 1500... Il a cité ici... Trois miracles pour Sayyidina Muhammad Ou quatre... Le... Mouton grillé l'épaule qui a témoigné qu'il est empoisonné, qu'une femme juive lui a mis du poison. Euh, le euh, lézard, c'est un animal qui s'appelle Adob, euh, qui vit dans le désert. Et, et il est grand, pas un lézard petit. Encore a témoigné que Mohammed est Abdullah wa Rasooloh. Et le loup aussi, il a parlé qu'un homme euh, entre les deux, et terre, deux terres noires en train de, de parler des communautés précédentes en parlant, en parlant de Sayyidina Muhammad et les cailloux qui ont, par, qui ont loué Dieu entre sa main ou la nourriture qui a, qui a loué Dieu entre la main du prophète Allahumma salli wa sallim ala uh, alayhi wa ala jami'i ikhwan hi al-anbiya wa al-mursalin il a demandé à Allah ta'ala d'élever le grade du prophète Muhammad ainsi tous ses frères prophètes fa kulluhum da'aw ila tawheed Sayyidina Moussa ما قال الله تعب فاستلقى هذا شيء افتراه الذين من بعده على الله عز وجل وموسى جاء بالتوحيد ومن التوحيد أن تصف الله بصفات الكمال لا تصفه بالتعب وعيسى ما قال أنا إله ولا ابن الإله إنما هذا شيء افتراه عليه بعض الناس من بعد جديد eux. هم est موسى و de سيدنا محمد Il n'a jamais dit ⁇ Allah s'est fatigué, il s'est reposé le samedi. C'est une mensonge que certains ont attribué à, par la suite à Dieu. Et moi, Jésus n'a jamais dit ⁇ Je suis un Dieu ou Fils de Dieu ma ⁇ mais il a dit ⁇ Inni Abdullah, Atani, Al-Kitab, ja'alani

قال عيسى في الانجيل للحواريين ان انتم غفرتم للناس فان اباكم الذي في السماء يغفر لكم ينسب الى عيسى انه قال للحواريين اباكم الذي في السماء ان عيسى قال عن الله اباكم هذا كذب بارد افتراء وكفر من نسب الكفر الى عيسى هو الكافر جدي ابن تيميه دون سون ليفر كي مجموعه الفتاوى أو لو كي لا نومي Et encore, dans ces livres là il a dit, parce que lui, il croit qu'Allah, il est dans le ciel. Alors il dit, Jésus a dit dans l'évangile aux apôtres, si vous pardonnez aux gens, Allah qui est au ciel vous pardonne. D'ailleurs, et ça n'a pas dit pour les apôtres, vous pardonnez. Ce n'est pas, pas nous qui pardonnons et gens, c'est Allah ta'ala. Mais tu vois deux couforts dedans ici. Il y a deux couforts. Le fait de dire que Jésus a dit... « Oh, vous les apôtres, si vous pardonnez aux gens, c'est Allah qui est au ciel qui vous pardonne. » Mais c'est du mensonge. Et ça n'a pas dit que les apôtres pardonnent les gens. Même lui ne pardonne pas aux gens. Et il a dit « Votre Père qui est au ciel vous pardonne. » Alors, deux choses, Ibn il a attribué à Jésus. Et chacun de ces deux choses fait sortir de l'islam. كالحمير المؤفكة يمشون من غير فهم لي جون مجسمه الى سويف كوم دي زانيمو صون كما ياتيء في كتاب تلبيس الجهميه وفي كتابه كتابه المسمى مجموعه الفتاوى فكلهم دعوا الى توحيد الله انبياء الله بدليل قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون 25 dans surat l'anbiya et on n'a jamais envoyé des messagers avant toi sans leur révéler qu'il n'y a, a pas d'autre Dieu à part Allah alors adorez-moi, adorez Allah Wallahou subhanahu wa ta'ala Alamu wa ahkam walhamdulillahi rabbil alameen <y> wa sallallahu <eu> ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam